Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2.01. Voilà, c'est ça, c'est là que je voulais en venir justement. Hop, j'ai devant moi, comme vous pouvez le voir, une mission messager pour le service de renseignement de la flotte impériale. Comme vous pouvez le voir en bas, elle me fait progresser dans les rangs au rang de vilain. Donc je serai un vilain garnement, semble-t-il. Je n'ai pas regardé cependant dans quelle station elle m'envoie précisément. Diamond Vision, c'est parfait. Tout est parfait. Pensez à aller. Pensez à aller. Je vais arriver à parler. Payer notre amende, voilà. Pour la mission justement de merde que nous avons bouffé chez Diamond. Ok, hop, voilà. Ça ici de ce côté-là. Y a rien du tout qui m'intéresse. On va aller payer justement l'amende en question. Voilà, amende, 4000 crédits. Bon bah écoutez, faites pas chier. Ici, je n'ai rien du tout. On m'a donné les raisons pour lesquelles le clipper était très intéressant. Pour le comment... Je vais revenir sur Rodrigue après deux secondes. C'est pour le... Comment que s'appelle le... Comment le farm des ingés. Simplement parce qu'en fait, il est véritablement capable de se défendre pour de vrai. Et ça manque à l'ASP qui, une fois chargé en fait des différentes ressources et des différentes marchandises nécessaires à l'amélioration de ses ASP, de l'amélioration par contre de ses ingénieurs, n'est pas à même de se défendre malgré le nombre d'attaques qui va être grandement augmenté du fait que sa cargaison soit remplie. Qu'est-ce que tu me disais, Rodrigue? Il faut que tu te rendes dans le système Nighties, puis accepter les missions de suppression des drones. Désolé, j'avais du monde qui me traquait. Pas de soucis, je note ça. On ira peut-être voir faire un tour là-bas. Faut que je note tout ça. Au bal masqué. Bon, je vais le noter sur mon tableau pour l'instant. Alors, système. Et de quitter ton mode de jeu, puis en choisir un autre. Ouais, d'accord. Ok, ça c'est classique. Système. Nighties. Mission, hop, mission drone, ok, 20 au total, le max, d'accord, ok, hop, ok, merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ok, c'est noté, j'irai y jeter un œil, hop, même ce que je peux faire, c'est directement, ouais, directement ajouté dans la carte de la galaxie. J'espère, j'ai pas fait décoller normalement, non, ça devrait être bon. Nighties. Nighties. C'est loin. Oh, c'est loin. C'est pas si loin que ça finalement, parce que vous voyez qu'il y a plein d'autres choses autour. Intéressant. D'accord, intéressant. Nighties, ça devrait être par là. Je le vois pas. Non, c'est pas... Ah, merde. Effet itinéraire, voilà, ajouter favori. Voilà. Crac, Nighties. Modifier. Je peux pas faire le truc, d'accord. Crédit, mission, drone. Voilà, hop. Comme ça, on ira y jeter un œil un peu plus tard, chers amis. Hop. Question de gérer. Au début, ça sera pas trop lucratif, 400 000 crédits, puis tu finiras par près de 4 millions de crédits. Là-dessus, on n'accepte que les missions qui t'amènent à Cupinook. Ah. Ok. Hop. Ok, ok. Faut que j'aille renoter ça, d'accord, du coup. Nighties, hop. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Hop, cred. Mince. Hop, là voilà. Mission. Quest, drone. Cupinook. Je crois que c'est ça qu'il a dit. Hein. Je vais. Comme ça, c'est noté en entier, comme ça, je sais uniquement ce qu'il faut que je fasse. Service de spatioport, falloir qu'on re-rentre dans l'hangar du coup.
J'aimerais. Hop, oui, bah c'est ça. Non, j'avais fait toutes les missions, c'est ça. Je vais y arriver, chers amis, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. J'aimerais. Bla, mais. Refuser. Retour. Quitter. Entrer dans l'hangar. Wouh! Hop, on va refaire un petit peu comme d'habitude, vous savez, on va récupérer 2-3 petites choses à droite à gauche, 2-3 missions à droite à gauche. Système voisin Wolf 406, donc ça va faire baisser ta manière drastique, ta réputation. D'accord. De toute façon, c'est noté comme quoi il faut que je fasse attention. Du coup, bon, on verra bien. Wolf 406, ça doit pas être un truc que je. Ah, ça me dit vaguement quelque chose, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a tellement de systèmes Wolf quelque chose que, au bout d'un moment. Et avec les pseudos Wolf aussi, c'est. Ça revient par-dessus, du coup, je me perds un petit peu. Hop! Heisenberg, on va aller voir vite fait ce qu'il a dans sa session. Hop. Bien sûr, vous pouvez m'ajouter dans le jeu et m'ajouter en groupe d'amis, chers amis, pour simplement avoir une session supplémentaire quand vous faites le grind, que ce soit sur une réputation ou pour de l'argent. Hein. N'hésitez pas, ça nous fera à tous un petit peu d'aide, entre guillemets, si on peut. Et puis, ça sera plus simple aussi si jamais je veux vous retrouver en live, je sais pas. On verra, on verra, on verra. C'est vrai qu'il y a quand même peu de chances que les gens qui m'ajoutent. Se retrouvent dans les lives souvent parce qu'ils passent du temps à jouer, eux, pas comme moi. Quand je dis pas comme moi, c'est-à-dire en dehors de mes tournages, je n'ai pas trop trop le temps. Alors, niveau mission, qu'est-ce que tu vas me proposer, SMJL Central? J'aimerais. Oh putain. Éviter d'avoir ce genre de mission. M. Butas, d'accord. Witu. Ah. Diamond Vision, je prends. Bon, eh ben on va en chier, hein, à trouver les bonnes missions. Hop. Faut qu'on en trouve une vingtaine normalement, hein, alors bon. Hop. Quand je fais ça, chers amis, c'est juste parce que je regarde la cam qui est juste là. Juste là. Enfin bon. Ça me dit quelque chose vaguement, Nightis. J'en ai peut-être déjà entendu parler quelque part. Ça me dit vaguement quelque chose. Très très vaguement. On verra. On verra, on verra. Si je me trompe ou pas. Parce que tout ça, je le garde dans des onglets de Google, donc bon. 1 million! Waouh! Il y en a qui commencent à se lâcher. Diamond Vision, c'est parfait. Marcus pense bien à rendre la mission. La première mission, c'est-à-dire la mission de rank up d'abord. Pense-y. Fais pas le con. Fais pas le con. Hop. Ça serait dommage de se foirer là-dessus. En gros, si je la rends d'abord, peut-être que je vais pouvoir augmenter mes points. Ah merde, il a continué à me parler entre-temps, j'ai pas vu. Mince, mince, mince. Peut-être que je vais pouvoir continuer à augmenter mes points entre guillemets comment, de rang, simplement, mon pourcentage de rang, via les nouvelles missions que j'aurai prises. Si j'utilise bien l'ordre comme il faut. Ce qui serait tout bénef. Je sais plus si j'avais. Hop! Alors du coup. Merde, il a continué à parler, du coup j'ai pas vu. Oui, d'accord. Faut que je note tout ça, je suis désolé, chers amis. Alors. Nightis. Hop. Money, money. Mission. Drone. Oh putain, faut que j'écrive bien. Ah! Et mon crayon qui est en train de se lâcher. Mission drone. Ah. Fordoc sur Cupinook. Hop, ok. Anaconda ici le Beluga, bah ça va tranquille. Tranquille. Oh merde, j'ai passé, c'est l'inverse que je vais faire. Tranquille. Tranquille, Emile. Hop.
Ok, c'est bon, c'est noté. Il faut que je pense à l'écrire quelque part. Tableau de mission. Faut qu'on vraiment qu'on aille voir si c'est si efficace que ça. Après, j'ai pas envie de faire que des que du pétage de drone, quoi, non plus. D'accord, Noek Beck. Diamond Vision, je prends. Dolgov Point, quel dommage. Ok, on est à combien de missions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 5, 6, 7. Bon, on n'est pas encore à fond, hein, niveau mission. On va essayer de tous se les faire, on peut en avoir 20 maximum, comme il nous l'a bien dit Rodrigue, pardon. J'allais dire Rodriguez, mais non, c'est pas ça. Oui, m'a dit Nina. Hop, on va bien voir, on va bien voir. Là, il y a beaucoup trop de choses qui se passent en même temps entre l'émission, le rank up, les explications. Je commence à être un petit peu. Oh hop. Alors, à côté de ça, il y a l'upload qui se fait normalement. Tout doucement, parce que si je veux pouvoir utiliser la connexion pour le jeu, c'est coton. J'aime les phares derrière. Alors, tableau de mission. Alors, c'est marrant parce que des fois j'ai l'impression que j'ai la moustache Hitler, quoi. Mais non, hein, je vous rassure, non, j'ai des poils partout. C'est juste que je crois qu'avec l'ombre de mon nez, en fait, ça fait le. Oh, c'est violent, effectivement. Bah. Non. Non plus. Et bah, comme ça, c'est cool. Madinina, tu as des mauvaises missions, c'est pas bien. Hop, la suite. Bon, j'ai refait solo en ligne. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en veux, mais c'est pas grave. Ok, bon, on va y arriver. On va y arriver. Et peut-être que pour les prochaines missions, on passera sur le T6 pour avoir un maximum d'emplacements de soute. Ok, service de spatioport. Ça me choque maintenant. On me l'avait déjà dit à cause de la lumière des fois que ça me le faisait. Parce que j'ai un gros pif, apparemment. C'est ce que les gens veulent pas me dire. Que j'ai un gros nez. Alors que je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont des nez plus gros que le mien. Enfin bon, là n'est pas la question. Par contre, j'aimerais bien que tu me pondes des missions adéquates, toi. Non, c'est là. Hop. Crac. Bon, apparemment on n'a pas de bol. On a tout juste pas de bol. Si, je suis en ASP. Je suis en ASP. Hop, Bamiyot, 95. Paymiot, Bamiyot, je sais pas. J'ai jamais su. Alors le nom de l'épisode ce sera Rank Up. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser le crayon vers le bas, peut-être vers le bas, comme ça on verra bien si l'encre revient, si je suis vraiment à bout d'encre ou pas. Hop, on verra bien. Alors, je sais pas que ça commence à être long, mais c'est que ça commence à être long. Ce qui moi me dérange pas, mais vous, c'est vrai que me voir balader dans les menus, c'est peut-être un petit peu long aussi, hein. Ici, Diamond Vision, c'est parfait. Ici, Dolgov Point, c'est moins bien. Yo, qui vit dans ananas dans la mer, Bob l'éponge carré. Qui aimerait bien y faire carrière, je crois aussi. Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré. Bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 missions, on en a la moitié. On va y aller, chers amis. On va pas s'embêter, on va décoller. Hop. On y va, on décolle. On va y aller avec 10 missions, on verra bien. De toute façon, on sera à 100% à la fin, on va pas capter. Mais pense, Marcus. Pense.
faire la mission de rank up en premier. Trouve-la, dépatouille-toi. Pense-y, c'est tout ce qui compte. Hop, allons-y. Ah. On se calme, vaisseau. Respecte les limitations de vitesse. Hop. Accélère. Hop. C'est par là. N'empêche que je l'aime bien la SP, hein, mais enfin tous les vaisseaux de l'Empire sont tellement stylés, quoi. Faut être honnête, au bout d'un moment, hein, tous les vaisseaux de l'Empire sont stylés. Le comment, l'Imperial Cutter, le gros, l'équivalent de la, enfin, l'équivalent au niveau des rangs de la Corvette, la Fédérale Corvette, il est d'une beauté, mais, enfin, on dirait que, enfin, est-ce qu'il est véritablement beau? Oui, sans doute, mais enfin, il a une gueule, c'est pas le genre de gueule que j'aime bien, en fait, dans un vaisseau spatial. Moi, j'aime bien les vaisseaux un petit peu Fédéral Corvette, vous savez, très, je vais pas dire très Empire, mais un petit peu, oui, un petit peu époque Star Wars, vous savez. Les premiers Star Wars, où tout était un petit peu carré, avec plein de choses apparentes, des trucs apparents, un petit peu comme les croiseurs impériaux. J'aime bien ce genre de forme, et là, je trouve qu'en fait, ce que j'apprécie et ce que je regrette sur certains vaisseaux de l'Empire, c'est leur petit côté avion. Je l'apprécie sur certains vaisseaux, il n'y a pas de souci, hein. Mais sur d'autres vaisseaux, vaisseaux spatiaux de haute qualité, je trouve ça un peu, ça fait un peu fusée, quoi, parfois, je trouve. Enfin bon, ce n'est que mon avis, encore une fois. Hop, on y va. De toute façon, il n'y a pas d'autre mission dans le truc, normalement. Voilà, parfait. Hop, allons-y. On va rester dans le bleu, cette fois-ci, on va pas accélérer comme un malade. Et on va essayer d'aller se poser du premier coup, ce serait pas mal aussi. Hop, pense à faire la mission de rank up. C'est bête qu'il faille que je lui pense comme ça, que je me le dise tout le temps, mais je me connais, je vais parler, et à la fin, je vais l'avoir dans le nez. Hop, on y est presque déjà. L'avantage de cette classe, c'est vraiment pas loin du tout, hein. Hormis le trajet de retour qui est un peu plus long, là c'est pas loin. Trajet de retour fait peut-être 3 ou 4 minutes, 3 minutes je dirais, à peu près. Il y a quand même un peu plus de 2000 essais à faire. Donc ouais, c'est un peu plus long, c'est peut-être ça qui est dommage finalement. Mais d'ici je peux même... Oh merde. Vous savez quoi, je vais l'abandonner. Hop. Abandonne-moi, t'as qu'à raison, je te laisserai peut-être vivre en... Je te laisserai peut-être la vie sauve. Tu as quoi comme vaisseau? Non, tu vas me laisser la vie sauve quoi qu'il arrive. Je suis sans doute plus rapide que toi, donc... Bah t'as même pas eu le temps de dégainer et de me tirer dessus, t'es nul. Excuse-moi si t'es mauvais, hein, aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi? Pauvre garçon. Pas de ma faute, hein. Le mec, il a un vaisseau qui est censé peut-être être un petit peu plus rapide que le mien, je pense. Mais il n'arrive pas à suivre. Donc, lumière. Même si on va avoir bizarrement une espèce de crépuscule, vous allez voir. Regardez. Hop. Hop. Bah alors, moi qui parlais de crêpes, voilà. Ce qui est presque dommage. Franchement, c'est presque dommage. J'espère encore que ça va être corrigé ou quelque chose comme ça. Hop, alors la descente. Hop. Peut-être un petit peu loin, hein, finalement. Hop. Ça devrait aller, cela dit. Ça devrait aller. On était peut-être un poil trop loin. Après, je sais pas si véritablement ou non, on perd du temps ou...
où on en gagne. Ah oui, là je suis persuadé d'avoir perdu du temps. Je suis à 12 km. Là je considère que j'ai perdu du temps. Oh, un allié aussi agréable, enfin aussi bon que vous, sera toujours bienvenu ici, commandant. Oh, c'est joli. Oh, c'est... Ah, j'aime qu'on me lèche les boules comme ça un petit peu, ça fait du bien. Je ne dis pas non. Bon, on va le laisser se garer, hein, tranquillement. Hop, la suite. Hop. Voilà. On entre dans le hangar, service de spatioport, comme d'habitude. Tableau de mission. Rien de bien inhabituel. Message pour le service. Ah, voilà. Verdict. Oui, je suis un vilain garnement. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer d'avoir le niveau supérieur. Ah, on va peut-être pas l'avoir. Quel dommage. Oh, ça se fera rapidement quand même. Oh. Bizarre, je crois que c'était passé un truc. La suite. Bah écoute, tant pis. Hein. De toute façon, là, je peux en reprendre quelques-unes pour retourner sur Aditi si je veux, donc. Hop, parfait. Parfait. Ah non, c'est parce que j'ai dû avoir des trucs dans l'inventaire que ça m'a fait ce petit bruit-là. Voilà. Aditi, on a Pew ici. Pew. Ah. C'est bête. C'est bête. Bon, je ferai ça, chers amis, en off. Le retour, je le ferai en off, je pense. Lors du prochain épisode, quand je le ferai au démarrage. En tout cas, les amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, maintenant, vous avez vu quel type de mission. Comment différencier un petit peu une mission classique, une mission de rank. Simplement parce qu'elles ont un texte particulier et surtout bah, elles ont le rang indiqué tout en bas de la page. N'hésitez pas à scroller tout en bas. Vous verrez bien que le rang supérieur est indiqué. Et moi, eh bien, écoutez les amis, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!